Merci beaucoup, bonne soirée. Marc, alors Afrodip, c'est quoi ? Bon, moi je suis passionné de musique électronique, Afro House, House Music, donc des instruments, des sonorités européennes, américaines, mélangées à l'Afrique. Il me semblait que ça représentait bien mon travail. Effectivement, moi ça fait donc une quinzaine d'années que je travaille au Sénégal. Et au fil du temps, eh ben, il s'est créé une espèce d'hybridation interne et, en moi et dans mon travail. Et voilà, je suis auvergnat, ça s'entend, hein, je pense que l'accent est toujours présent, malgré l'hybridation. Et, mais petit à petit, et voilà, l'influence de tous ces fabuleux sculpteurs d'Afrique, qui pour moi bon, ce sont mes maîtres, mélangés aux autres du reste du continent européen ou américain. Là, petit à petit, ça s'imbrique, ça se mélange, et puis ça donne ce qu'on va ce soir. Donc voilà, c'est un peu ça, Afrodip. J'en profite juste pour remercier encore l'Institut pour leur accueil extraordinaire. Ils ont une équipe formidable, haute technique, créative, les constructeurs, les peintres, tout le monde, vraiment, vous faites un travail impeccable. Donc vraiment, je vous remercie. Je remercie mon équipe parce que, effectivement, dans ce temps, en 3 mois, j'aurais rien pu faire sans eux.
Donc Hassan à la résine, Babacar à la peinture, Edouard à la logistique, les fondeurs de la famille Diop, tous ces gens avec qui je travaille, et c'est surtout grâce à eux que j'arrive à faire tout ça. Et puis nos musiciens qui sont des amis, des copains, des nouvelles connaissances. Et puis donc une petite présentation, on va avoir 15 minutes de une expérimentation autour de la naissance d'Aphrodite. On a fait 2-3 répètes, donc c'est le début d'un projet plus vaste, je pense qu'on présentera plus tard dans le temps. Voilà, je suis toujours sur cette recherche, mais du côté musical, donc je pense que ça va être sympathique. Une petite recherche et puis ensuite deux mix avec African et Tchèque et puis DJ Lozarak. Voilà. Merci beaucoup et merci à vous, parce que sans vous, évidemment, rien de tout ça n'aurait de sens. On va pas le lâcher tout de suite parce que, et c'est un fait assez rare, je crois que tu as prévu des permanences ici où tu serais présent pour accueillir les publics et de pouvoir justement les guider à travers ton exposition. C'est vrai ? En fait, l'idée, c'est sur le site de l'Institut, par exemple, tous les lundis ou tous les mardis, donc je publierai mes heures présence. Et à ce moment-là, comme ça, les gens, ceux qui sont intéressés peuvent venir, on peut discuter plus longuement autour des œuvres et du travail et de la vie en général. Voilà. Bonne soirée. Un grand merci et bonne soirée à toutes et tous.